Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a entamé mardi une tournée de campagne dans la région de la Basse-Côte. Fodé Ousou Fofana, par ailleurs directeur de campagne de Sélou d'Alain Diallo, a posé ses valises à Forêt-Caria d'où est originaire le Premier ministre Kessoï Fofana et Kwaya. À Forêt-Caria, Fodé Ousou Fofana et sa délégation ont été empêchés de tenir leur meeting. Motif évoqué par les autorités, la journée du mardi 6 octobre est réservée au RPG arc-en-ciel. Dans la sous-préfecture de Wone Kifon, localité relevant de la préfecture de Kwaya, le directeur de campagne de Sélou d'Alain Diallo a conféré avec les partisans de l'UFDG. Devant un auditoire conquis, Fodé Ousou Fofana a souligné que l'alibi des autorités pour l'empêcher de tenir son meeting à Forêt-Caria ne tient pas la route. Les gens ont peur, ils n'ont plus aucun argument. On doit faire une campagne civilisée. En tant que directeur de campagne, je ne veux pas de la violence. Ce qu'ils souhaitaient, c'est la violence. Ils veulent que créer des problèmes comme en 2010, que les communautés s'affrontent. J'ai appelé le parrain du parti pour lui dire de me laisser rentrer, explique-t-il. Le directeur de campagne de Sélou d'Alain Diallo n'a pas manqué de dénoncer la gouvernance actuelle. Le bilan de M. Alpha Condé est catastrophique. Il n'a rien fait pendant 10 ans. Il a fait perdre 10 ans à la Guinée. Aujourd'hui, il est candidat, mais il est assis au palais présidentiel pour faire des interventions par visioconférence, dénonce-t-il. Maintenant, poursuit-il, ces ministres, à commencer par le chef du gouvernement, ont tellement peur de nos routes qu'ils font la campagne par avion. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'affronter la route. Quand on regarde la route Kwaya-Forêt-Caria, on ne peut pas croire que Forêt-Caria a eux trois premiers ministres. Selon Fodé Ousou Fofana, le seul programme de M. Alpha Condé, c'est d'opposer les communautés. La dernière fois, il a dit que quelqu'un veut se proclamer vainqueur de l'élection. L'histoire de la Guinée est connue. Les Guinéens savent qui est qui. On sait qui a grimpé le stade de Coléa pour aller se réfugier dans une ambassade. On sait qui on a vu à Pinay le jour des élections avec un petit boubou. On sait qui est lié au complot. On sait qui a été condamné. Eladej Sélou est un Guinéen qui a étudié et travaillé ici. C'est un homme honnête et sincère qui n'a peur de rien. Ce qu'on a accepté en 2010, en 2020, on ne l'acceptera pas. Il demande aux électeurs de récupérer leurs cartes et de s'organiser pour sécuriser les bureaux de vote le 18 octobre. Ce qu'il faut faire, c'est de récupérer les cartes, aller voter et sécuriser le vote. Ne provoquez personne. Si quelqu'un vous piétine, enlevez votre pied. Ce qu'ils veulent, c'est la pagaille. Ils ne veulent pas de cette élection. Ils veulent créer des conflits pour qu'on annule l'élection. Refusez, conseille l'opposant.